Les amis, c'est avec grand plaisir que je vous présente cette Porsche GT2 RS de 700 chevaux avec un flat 6 biturbo. Le 0 à 100 est abattu en 2 secondes 8. C'est magnifique. Elle est littéralement posée au sol comme vous pouvez le voir. Donc une vraie voiture de course. On a un magnifique Blue Miami, donc la couleur de la voiture. Celle-ci est équipée du pack V5, soit 30 kg en moins que les GT2 RS qui ne l'ont pas. Alors ce pack, il inclut le carbone sur la carrosserie, les jantes en magnésium, vous pouvez voir juste ici, et les sièges de la 918 avec l'estampillage V-Sac RS pour faire la différence, et du carbone glossé juste ici, c'est plutôt pas mal. Ce qu'il faut savoir sur cette GT2 RS, c'est que c'est la Porsche la plus puissante jamais conçue derrière la 918, car celle-ci ne possède pas d'hybridation, alors que la 918, elle en possède. Donc plutôt sympa. Vous avez l'inscription V-Sac RS ici, du carbone ici, le volant en Alcantara avec du carbone sur le volant. Plutôt on a de très très beaux feux à LED qu'on retrouve sur toutes les Porsche aujourd'hui sur le marché. Hein. Au niveau de la calandre, vous avez des énormes grilles pour refroidir les freins, comme vous pouvez le voir. Donc c'est ce qui différencie une GT2 à une GT3 RS. On a l'inscription GT2 RS ici. Pour ce qui est du logo, vous avez un logo en relief pour alléger la voiture. Donc voilà. Vous avez des jantes en magnésium avec le mono écrou RS. Et les étriers en céramique, donc jaune, avec le disque perforé, comme vous pouvez le voir. Énorme, énorme la tête. Pour ce qui est de l'arrière, vous avez un magnifique aileron, comme vous pouvez le voir, avec l'inscription Porsche. Donc très, très, très volumineux. Voilà, donc propre au GT2 RS. Vous avez les feux avec une barre de LED très, très bien designée. Dites-moi ce que vous en pensez, vous. Mais en tout cas, moi, j'aime beaucoup. Avec ces grilles d'aération, toujours pour l'aérodynamisme, hein, pour refroidir le moteur qui est justement à l'arrière. Hein. Donc là, on est avec valve, et là, sans valve. Donc là, c'est vrai qu'il y a une sacrée différence. Hein. On retrouve un très très beau volant Porsche avec du carbone ici, de l'Alcantara tout autour, le rappel aux 12 heures en rouge, une surpiqûre rouge. On a un compteur gradué jusqu'à 400 km/h, c'est incroyable. Déjà, faut noter que le 0 à 100, il se fait en 8 secondes 8. Je sais pas où est-ce que vous allez les faire, à part sur l'autobahn, mais c'est plutôt rapide quand même. Hein. Même le 100 à 200, il est rapide, 5 secondes 5 si je ne m'abuse. On a les palettes aussi en carbone. Le pommeau de vitesse en alu avec un peu d'Alcantara. Boîte PDK justement à 7 rapports. Il y a 1004 exemplaires. Pourquoi 1004? Car 4 ont disparu lors d'un naufrage en bateau. Donc actuellement, je suis assis dans ces sièges. Donc V-Sac RS, ils maintiennent vraiment bien. Donc une fois qu'on est assis, on ne peut pas ressortir aussi facilement. Donc ça, c'est pour le circuit, hein, bien évidemment. On a les arceaux. Vous avez la possibilité de vous mettre en boîte PDK Sport, de régler les suspensions, de se mettre en échappement sport ou non. Vous avez un lift, le SC que vous pouvez mettre en off, sur rouge, donc plutôt pas mal, c'est esthétique. Mais ça fait la vie, dites-moi ce que vous en pensez, vous. Moi, j'aime bien. Alors, la voiture, elle est assez large quand même. Hein. On voit les sorties d'aération. Donc là, on est en dedans. Qui dit dedans, dit lift enclenché.
Et Dodan, on les prend de travers parce qu'elle est tellement basse. On est obligé. On voit l'aileron dans le rétro, ça c'est ancien. Donc les valves, elles s'ouvrent automatiquement à partir de 3000 tours par minute, je crois, c'est ça. Alors c'est très raide, c'est très très raide, on sent que c'est vraiment une voiture de circuit. Elle est basse, elle est posée par terre et à la moindre bosse, on sent direct, on sent vraiment tout sur la route, toutes les imperfections. La chasse de l'arrière en plus. Simple visualisation de ce flat 6, donc on voit pas grand chose malheureusement, donc biturbo. Hein. Le coffre qui est assez profond, ça va, on a pas mal de place quand même, on peut mettre une petite valise. J'avais oublié de le préciser, mais vous avez le pack chrono qui inclut justement la montre que vous avez juste ici. Hein. Deux sièges sont en carbone, donc encore un gain de poids, ça c'est plutôt pas mal, c'est de l'esthétique, mais on gagne beaucoup de poids. En mettant du carbone un peu partout. Les amis, merci d'avoir regardé la vidéo. Tous les liens seront dans la description. Ciao tout le monde.